Sondage: que les Français pensent-ils des États-Unis à l'ère Trump? Même si la majorité des Français comprennent l'importance des relations franco-américaines, l'image de l'allié américain s'est à leurs yeux fortement dégradée depuis que Donald Trump s'est installé à la Maison-Blanche, indique un sondage IFOP, publié par Le Figaro. Depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, la perception qu'ont les Français des États-Unis a subi des changements, indique un sondage IFOP dont les détails sont publiés par Le Figaro. Ainsi, seuls 44% des personnes interrogées ont qualifié les États-Unis des « alliés sûrs » contre 77% à l'époque de Barack Obama. Ce clivage reflète ce que les Français pensent de Donald Trump. Selon Jean-Philippe Dubrulle, chef de groupe à l'IFOP, 54% des Français ont « une très mauvaise opinion » de Donald Trump. C'est massif, et cela se retrouve dans toutes les catégories de population, même si c'est plus modéré dans les rangs des électeurs du Rassemblement national, 42% ont une bonne opinion, a-t-il expliqué. Pourtant, si 80% des personnes interrogées n'approuvent en général pas la politique menée par les États-Unis, pour 74% d'entre elles l'Amérique reste une amie, dans le domaine de la sécurité, et pour 51% un partenaire face à la Russie et la Chine. Mais, elle est un adversaire s'il s'agit du développement des économies françaises, 78%, et européennes, 81%. En dépit de cela, 82% des Français se prononcent pour la préservation des relations franco-américaines dans l'avenir et 75% d'entre eux estiment que « le président n'est pas à l'image des citoyens américains ». Le sondage a également montré que pour une écrasante majorité des Français, 89%, peu importe leur âge et leur préférence politique, l'Allemagne reste l'allié, sûr, loin devant la Russie, 22%, et même le Royaume-Uni, 61%.